Ah, litoi, litoi, ya album nabiso, balobi, okoyo, keloko, ya le tout en camon, hein, babi, album, ya soubidi, toto, ne manquez surtout pas vraiment de le, hein, de l'écouter. Nzemboki, toko, balobi, soki, mobalache, ou litoi, boyo, résister, c'est que vraiment, n'hébiter, hein, album, nabiso, ya le tout en camon. Alors, je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend de la plénitude, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission, que je vous invite vraiment de regarder parce que c'est en direct. Dans votre chaîne, bien sûr, il y a Lolo Chouami Télévision en collaboration avec Mado Chaco TV, que je vous demande de vous abonner massivement pour ne pas rater vraiment des émissions pertinentes, des émissions éducatives, vraiment vos propositions, parce que nous sommes là pour vous. Toujours et toujours, coronavirus, toujours d'actualité. Et continuez toujours à laver les mains, la distanciation et le masque, pourquoi pas. Voilà, c'est pour ça que vous nous voyez aussi avec le masque, que nous allons enlever par respect pour pouvoir parler avec vous. Alors, dans votre émission aujourd'hui, j'accueille pour vous le Toutankhamon en question. Nous allons parler, nous allons décortiquer une histoire qui se passe sur les réseaux actuellement, c'est-à-dire la vérité sur le film de La vie est belle de Papa Wemba, Amoroso Amoroso. Il paraît que le vrai acteur nommé dans le temps était le Toutankhamon. Il va s'expliquer. Continuez à vous abonner, Mado Chaco, toujours et toujours, la Doliprane de la presse. Je profite aussi pour souhaiter un très, 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 très bon anniversaire à Papa Ikoza Deba Sankusu. Oumela Nayo, Papa, vraiment, respect. Bonjour, le Toutankhamon. Bonjour, Mado Chaco. Je suis content de vous rencontrer encore. J'enlève le masque. Comme d'habitude. Merci, moi aussi. Voilà. Donc, on est là pour décortiquer et dire la vérité au sujet du film « La vie est belle ». Oui, « La vie Amoroso, est belle ». Amoroso, Maloba et Moro Pemba. Voilà quoi. Donc, comme vous avez constaté que dernièrement, il y a eu des gens, ils ont vu sur YouTube. Hein. Mm-hmm. Je vous salue beaucoup. Rivadelo Pipo, Rivadelo Pipo. Moutonangai, Moutomunene, Rivadelo Pipo. Voilà quoi. Donc, l'histoire, comme vous savez bien que le vieux Rivadelo Pipo, elle a parlé. Mm-hmm. C'est l'histoire de La vie est belle. La vie est belle. Qui est dans les réseaux sociaux. Mm-hmm. Pour savoir, il a dit les vérités sur ça. Vraiment. Voilà. Yali Bosso, on va, notre émission sera en bilingue. On va beaucoup plus parler en français pour permettre à toute la communauté de comprendre. Afro-antillaise. Afro-antillaise de comprendre. Voilà. On va parler d'abord de Litoi, qui veut dire l'oreille. Cette chanson que vous avez écoutée à l'ouverture de l'émission, hein, on parle là-dedans de l'homme qui devient une paire même de chaussures, l'homme qui veut devenir même des bijoux. Vraiment, demandez vraiment à ce qu'on vous traduise la chanson, elle est vraiment très très belle en paroles. Litoi, c'est une chanson que je fais à l'époque. Hein. Mm-hmm. Quand j'étais divorcé à l'époque, et que j'avais trouvé une jeune femme à l'époque aussi, mais j'essayais de draguer. Et c'est ça que je fais cette chanson-là de Litoi. D'accord. Comme on dit à Lingala, l'andeo Litoi, Namibi Batukuba Million, ils aussi me battaient. Ça veut dire que je me suis transformé en chaussure pour coller sur sa peau, ça n'a pas marché. Je suis devenu son parfait, ça n'a pas marché. Mm-hmm. J'ai amené une mallette, comme ils ont l'argent. Vu, avec l'argent. On a mis tout coup, puis million. Mm-hmm. Ça n'a pas toujours marché. Vraiment. Et vraiment, c'était dur. C'est coriace. Il y a des femmes, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui ne sont pas faciles à attraper. Mm-hmm. Hein? Attraper. Facile et à coup tactica. Donc, attraper, il y en a pas beaucoup qui ne sont pas faciles pour tactiquer. Il y en a d'autres qui sont faciles, mais bon, cette chanson-là, je fais ça pour essayer de dire la vérité
sur ce que j'ai vécu. Vous savez, les musiciens, nous, on est les musiciens. Il y a aussi les magiciens. Entre le musicien et le magicien, une seule syllabe qui nous sépare. Ça dure. Si tu enlèves de l'autre côté le U, tu émets le A, ça devient magicien. Donc, on est des gens mystiques. On est des gens mystiques. Comment tu peux savoir que tu vas faire un truc, tu es au studio tout seul, que ça marchera, que les gens ils vont danser? C'est bizarre. Comment les gens ils vont aimer? Donc, tu t'étonnes. Voilà. C'est l'explication un peu de cette chanson-là. Voilà. Vraiment. Et l'album de Soudili Toto, l'album de Okoyo Keloko, avec les aléas d'aujourd'hui, le coronavirus, les avancées s'annoncent comment? Soudili Toto, c'est bien. Ça, c'est marrant. Ça, c'est... Ça marche bien dans le sens que, bon, maintenant, on est dans un système de téléchargement. D'accord. Bon, moi, j'ai ri de contrat avec Jimmy Wetinu. C'était un Béninois que je travaille avec depuis 2012, que je lui ai donné des chansons, qu'on a signé des contrats avec de grandes maisons comme Amazon, Orange, beaucoup de maisons qui font des téléchargements. Voilà, qui font les téléchargements. Donc, à chaque fois, tous les 6 mois, on se voit pour que je puisse avoir mes royalties. Ça veut dire que ça marche très bien. Ma femme, elle est au courant de ça. Ça veut dire que maintenant, la musique a évolué. D'accord. Les gens ne font plus acheter des CD dans le magasin, puisque les magasins africains, il n'y en a plus vraiment. Tous les magasins sont fermés. Donc, on a évolué. Maintenant, on est rentré dans l'histoire des téléchargements. Je conseille beaucoup aux musiciens congolais d'essayer aussi de rentrer dans les maisons qui font les téléchargements et ils vont arriver. Voilà. Saluons la présence imminente de Nefertiti, notre maman, la femme de Toutankhamon. Alors, nous vous faisons des gros, gros bisous. Maman, bonjour, bonjour. Alors, nous allons rentrer dans le but du sujet. Voilà. La vérité sur le film De la vie est belle, amoureuse Balobaya et Moro Pemba. Le problème avec Riva Delopipo, que nous saluons vraiment avec respect, est quoi? Nous le savons, mais résumez-nous en quelques phrases pour que ceux qui sont en train de nous regarder comprennent un petit peu de ce que nous allons relater aujourd'hui. Puisque, comme je t'ai dit hier au téléphone, que les gens, ils ont vu l'émission de Riva Delopipo à Kinshasa, d'accord, qu'il a fait à la télévision congolaise. Et c'est une émission qui est très regardée. Voilà, hein. Voilà, je pense cette émission-là, artistique. Et il est venu lui-même parler de la vérité de la vie est belle. Voilà, la vérité de la vie belle. Mais moi, je le sais depuis longtemps. Mais les publics, hein, ils ont découvert la vérité sur la vie est belle. Donc, il a fait une émission. Bon, moi, les gens, ils m'ont appelé. Moi aussi. Voilà, les gens m'ont appelé. Beaucoup, même. Ouais, ils m'ont appelé, mais au fait, on a vu, il fallait que toi, tu sois l'acteur principal. Bon, il fallait que moi, je puisse aussi répondre aujourd'hui pour étaler la vérité sur la table. Mais c'est qui le véritable acteur principal dans le temps? Bon, dans ce comme Riva Delopipo l'a dit, je vais le confirmer. Qui veut vous parler des histoires. Vraiment. Donc, Riva Delopipo, et il y a de Belges qui voulaient faire un film avec Ngangoua Mwenze, le réalisateur. Ils sont venus le voir. Je recommence seulement la vérité, c'est que Riva l'avait dit. Donc, Papa Wemba, il était en Europe, il n'était pas à Kinshasa. On peut dire le groupe Viva la Musica était en Europe. Moi, j'étais resté à Kinshasa avec quelques musiciens. Qu'on s'est démerdé, que voilà, le groupe n'est pas là, donc ça veut dire qu'on est un peu bloqué. Voilà, le côté finance, c'est bloqué, pas beaucoup. Bon, Riva Delopipo a été contacté par les Belges pour faire le film. Mais ils ont vu que ce film-là, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a moins de 30 ans. Voilà, pas problème, elle était déjà dans la trentaine. Peut avoir 33 ans. Et vous, dans le temps? Moi, dans le temps, j'avais 19 ans. Ah oui. J'avais 19 ans. Voilà. Donc, ils ont voulu faire un film, mais moins de 25 ans. Pas plus. Alors, ils ont rencontré Riva. Ils ont dit, nous, on veut faire un film, mais on cherche un jeune pour faire le film. Ils ont dit, OK, il y a un jeune de Papa Wemba ici. Je vais vous le présenter, ça sera bien, pour qu'il puisse
faire le film, hein, vous allez le voir. Mais les Belges, quand ils sont venus, moi, je n'étais pas là. J'ai quitté ma Tongue, je suis parti à Biza chez mon père. Et quand j'en avais marre, je rentrais chez moi. Bon, autant à l'époque, là, vivre la musique, n'est pas sur pas circuit, je préférais de rentrer chez moi. Les Belges, là, ils m'ont cherché, ils ne m'ont pas vu. Ils ont dit, arrive, bon, tu vas le filmer, tu l'envoies à l'ambassade de Belgique. Hein. Dès qu'il arrive là-bas, comme ça, tu vas prendre les images, tu vas nous les envoyer. Alors, voilà. Donc, comme j'ai dit, on va faire pas à pas. Et Dino aussi va balancer des choses. Alors, je suis parti voir les Belges. Après, les Belges m'ont convoqué à l'ambassade de Belgique. Bon, jeune homme, vous savez bien, on veut que vous soyez l'acteur principal du film La vie est belle. Quelles sont vos conditions? Moi, je dis, ah, les groupes, et à Paris, on est resté au moins 8 musiciens ici, puisqu'il n'y avait pas assez de billets. D'accord. On ne pouvait pas amener tout le monde. Mais moi, mon souhait de venir maintenant, comment dirais-je, je pense qu'il faut que j'aille m'installer en France pour des bons. Bon, quelles sont tes conditions? Moi, je dis, en tout cas, moi, je vais 300 000 zaïres. C'était énorme à l'époque. C'était pas mal. Hein. À mon âge, là, c'était beaucoup. Et je vais un billet d'avion, Air Zaïre. Voilà, ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, on va transmettre ta volonté sur les producteurs. Et les producteurs, tout s'est passé bien. Et puis, j'ai confiance. Je dis, ah, ça y est, moi, maintenant, je vais aller m'installer en Europe. Ça veut dire, c'est bon, moi, j'ai eu le rôle de la vie est belle, l'acteur. Mais voilà que d'autres choses, Papa Wemba, il était en Europe et Riva dello Pipo l'a appelé. Il a dit que les Blancs, ils veulent Petit Macambo. Hein? Ils veulent Petit Macambo. Voilà, ils veulent Petit Macambo. Ah, Papa Wemba, il a dit, mais ils veulent Petit Macambo, mais Riva dello Pipo. Pourquoi tu n'essayes pas que moi, qu'on me prend moi? Hein? Ça, c'est papa qui détourne la situation. Ah ouais, papa qui détourne la situation. Du moins, qui veut d'abord. On attend la suite. Ah ben, voilà. Donc, moi, je veux que... Il faut que c'est moi qui sois la terre. D'accord. Riva dello Pipo, c'est l'ami de le petit frère du colonel Jaguer. Papa, ben, il venait tout le temps là-bas, à la maison. Donc, c'est vraiment une famille. Ah, c'est vraiment une équation impossible. Bon, moi aussi, Riva dello Pipo, c'était un grand frère, un vieux à moi, intime. Bon, moi, je suis au courant que c'est moi qui vais être l'acteur. Mais c'est que papa, il me parle avec Riva dello Pipo. Moi, je ne suis pas au courant. Ah, je vois seulement mon papa, Papa Wemba, il descend à Kin. Ah, maintenant. Là, il était en Europe. Ah, il était en Europe. Il est venu tout seul. Les groupes, après, lui, il est venu après les groupes. Lui est venu tout seul, les groupes sont venus après. Là, il venait de voilà, tout fraîche d'Europe. Ah, je dis, comment je vais faire, maintenant? Je vois que ça commence à négocier, dérailler. Ça commence à dérailler, ça commence à partir dans le noumou-noumou, comme on dit, chez nous, dans le noumoulage. Dans les problèmes. Dans les problèmes, dans les palabres. Dans les nyama-nyama, comme voilà. Les Africains disent, ah, bon, le problème qui est là, c'est simple. Bon, est-ce que moi, j'ai le poids, le niveau de se battre avec Papa Wemba pour cette rôle-là. Je suis un enfant, un gamin, je ne connais rien vraiment, comment dirais-je, dans le monde vraiment artistique. Hein. Et je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce que je vais faire, c'est forcément que je regarde. Voilà, que je regarde. Donc, voilà, je vais regarder. Bon, on ne va pas tout finir tout de suite là. Dites-moi un petit peu, la place des parents dans cette décision, quel a été leur état d'esprit de voir leur fils? Parce que nous avons quand même entendu dire que vous étiez un enfant quand même qui a très bien grandi, des parents assez aisés. Et voir leur fils vouloir faire du cinéma, suivre Papa Wemba, des décisions pareilles. Quel a été leur conseil? L'histoire de La vie est belle, là, quand le problème de cinéma, mon père et mes parents, ils n'étaient pas au courant. D'accord. Ça veut dire, Papa Wemba, disons, un garde-corps de Papa Wemba qui est venu me chercher chez nous, mais mon père n'était pas là. Il a dit,
Il a demandé partout, là, il peine, on lui a montré la maison, là, le villa, là, où là-bas, les gros villas, là, tu vas tout droit, les gros villas, là, c'est là où Petit Makambo habite. Mm-hmm. C'est son père. Il est venu me voir. Mais les jours que le gars, il est venu, il ne m'a pas trouvé non plus. Il y avait beaucoup de blocages. Il ne m'a pas trouvé non plus. Donc, ça veut dire que la vérité allait sortir à la maison, mais le jour-là, la vérité n'est pas sortie à la maison. Donc, voilà quoi. Donc, comme je t'ai dit là, que voilà, ils ont commencé à faire les palabres. Voilà, ils commencent, non, comment, on commence à m'écarter. Ça veut dire que la décision, voilà, arrive à dire le pipo, il a dit, bon, voilà, ils ont décidé que, voilà, que c'est moi, mais c'était moi là, comme il l'avait dit, c'était moi l'artère. Bon, dans tout ça là, moi j'étais gosse, mais je regarde, ah, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas dire à papa Wemba, il va dire, mon papa, mais comment tu as pris mon rôle et tout. Je suis là, je regardais comme ça, avec une tristesse, au fond du cœur, une tristesse. Bon, j'ai dit, bon, alors, papa Wemba, comme j'étais petit, il a dit, bon, t'inquiète pas, on va lui donner des petits rôles. On va lui donner dans Sirage, on va lui donner dans ma chaîne, dans le machin. Ça va le calmer. Mais moi, au fond du cœur, je pleurais. Je disais, c'était moi l'acteur. Mais maintenant, ce n'est plus moi l'acteur. Voilà, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Avec ce film-là, avec ce film, je pensais bouger de Kin pour aller m'installer pour des bons à Paris. Et c'est un échec. Ça veut dire que ça y est, donc, je n'ai pas pu en profiter de ce rôle-là pour venir m'installer en Europe. Voilà quoi, donc, bon, comme on dit, on va dire pas à pas, ça c'est le premier épisode. Ça, les premiers épisodes, c'est ça. Les premiers épisodes, on parlait de. Voilà, les films ont commencé à se faire. Je ne sais pas si Edine va nous balancer des choses là-bas. Les trucs ont commencé à se faire. Il le fera. Voilà, les choses ont commencé à se faire. Donc, on ne va pas dévoiler tout de suite là tout en même temps. Donc, on va aller pas à pas. Vraiment, avant de continuer, je demande à Edine Otivi Bilengi, que je salue, lui, à la régie, de nous balancer. Hein, le petit Makambo dans le temps. Hein, mais petit, le nom, il est toujours connu. En petit coupé. Il est connu toujours dans le monde, c'est petit Makambo. Je me rappelle avec un t-shirt blanc. Voilà. Hein, en train de faire les cirages. Le nom est connu toujours, petit Makambo. Petit dans le CD, j'écris toujours petit Makambo. Petit Makambo, voilà. Tu sais, nous, les musiciens, d'accord. On ajoute toujours des noms. Vraiment. Alors, quelques passages de ce film pour. Nous voudrions officialiser les fiançailles de Kourou et Kabibi. Avec un musicien, jamais. Il va dès le pipe. Alors, merci beaucoup, Papa Wemba Shungu et Kumani. Vraiment que son âme continue toujours à reposer en paix. Alors, le tout en camon, le petit Makambo. Dans ces moments-là, c'était la loi du plus fort qui primait. Bon, en ce moment-là, qui vous a fait rater votre rôle. Dans ce moment-là, je pense que c'était la loi du plus fort. Puisque, admettons, le petit Makambo, le tout en camon, peut dire comment il peut tenir tête avec Papa Wemba. Il ne peut pas tenir tête avec Papa Wemba. Voilà, Papa Wemba, c'était déjà une grande star immense, quelqu'un d'énorme. Alors, moi, comme on m'a pris mon rôle, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais faire rien du tout. C'est que je pouvais faire seulement pleurer au fond du cœur. Mais vous avez quand même eu une fisque. Kolela, Kolela Yamoto. Comme une chanson que j'ai fait, titre que tu as entendu là, il y a une autre aussi, Kolela Yamoto. Donc, Motoazo est là, quelqu'un qui pleure. Alors, donc, ça veut dire que je suis écarté. J'ai dit, bon, ce n'est pas un problème. Dans le sens que, et les rôles, il est fait, ça veut dire qu'on m'a donné des petits rôles. On voit le petit cireur de chaussures. Voilà, des petits rôles, les petits rôles pour, comment dirais-je en français, me calmer ou m'amadouiller, comme si on dit, amadouiller. Si on veut dire ça comme ça. Voilà, voilà, par exemple. Parce que le cœur, il n'était pas. Le cœur, il n'était pas, mais le cœur continuait à souffrir. Comment mon rôle à moi. Hein? Comment mon rôle à moi, hein? Et dit nos images, et dit nos bilingues, il a compris. C'est mon rôle à moi, hein? Et ma femme aussi, Maggie, elle a compris. C'est mon rôle à moi, comme quand je l'expliquais à la maison.
mon rôle à moi que je dis à toutes les téléspectateurs, et ce qu'Erive Adé le Pipo a dit, c'est vrai. C'était moi, petit Macambo, le tout en Camo, qui allait être l'acteur principal. Bon. C'est-à-dire Kourou, à la place de Papa Wemba. C'est moi l'acteur principal, c'était pas Papa Wemba. Oui. Erive Adé le Pipo l'a dit ça, les gens, ils ont vu ça. Donc, moi, ce que je fais, je répète seulement ce qu'Erive Adé le Pipo l'a dit. Donc, mais le mal puisse comprendre la vérité. D'accord. Et il fallait que moi, puisque j'étais harcelé au téléphone, on veut savoir la vérité, il faut que tu puisses aller aussi parler, nous dire vraiment la vérité. Donc, je pleurais de mon pringlet, comme on dit en français. Bon, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire, hein? Et tu peux rien faire. Tu peux pas dire, voilà... pourquoi vous avez pris mon rôle? T'as pas les kilos, tu vois. Parler un peu avec Papa Wemba, trouver les mots de parler avec son papa, vous avez pas pu le faire quand même. Surtout que vous étiez plutôt fan de lui, mais vraiment très fan. Vous avez pratiquement tout abandonné en étant petit, voilà, c'est-à-dire la joie d'être jeune, ouais, lui, de jouer avec les autres jeunes. Lui, il m'a pris. Vive à la musique. Voilà. Il m'a pris enfant, il m'a pris petit. J'ai grandi dans ses mains. Mais cette histoire-là, ça m'a fait beaucoup mal au cœur. Mais bon, j'ai dit, bon, on va faire quoi? Papa, il a pris ça, bon. On ne va pas aller lui engueuler, on ne va pas lui parler. Tu pleures au fond du cœur. Tu pleures au fond du cœur pour les Layamoto. C'est pour ça que pendant un moment dans le film, on vous voit pencher comme ça, pour qu'on ne vous voit pas pleurer. Mais la tête était toujours en bas. Vraiment, vous étiez toujours... Au fond du cœur. Vous étiez plutôt... Figurant que acteur principal. Ouais, voilà. Je pleurais. Ils m'ont pris mon truc. Mais il faut que je fasse seulement le cirage. Mais je n'ai pas les choix. Je pleurais au fond du cœur. Choix athée. Vraiment. Donc, je pleure au fond du cœur, mais je ne veux pas, comme on dit, les larmes du crocodile. Est-ce que les crocodiles, les gens, ils ont déjà vu là où le crocodile, ça pleure? Non. Babi, on est là, un gâteau de larmes du crocodile. Alors, choix athée, c'était comme ça. Et c'était fait. Donc, moi, mon rôle, et papa, il a pris. Et je ne peux pas me rivaliser contre nous. Vraiment. Comme on dit à Lingala, tu connais comment ma famille était. On ne pouvait pas tuer la famille à cause de ce film-là, puisque les chemins étaient encore longs. Bon, là, le film, il est fait. À la fin du film, vous regardez le film. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Quand je regardais le film, à la fin du film, le film est sorti, ça a parlé. Ça a fait un boucan et tout. Hein. J'étais content, mais mon projet de partir en Europe, est de partir dans l'eau. Donc, je ne pouvais plus y aller. Ça veut dire que maintenant, j'ai dit, j'avais eu l'occasion. Est-ce que j'aurai encore l'occasion? Ah, donc si je comprends très bien, c'était quelque part pas le film qui était important, c'était... Venez, mais ça... Les avantages derrière le film. Derrière le film. D'accord. D'ailleurs, d'abord, l'avantage, d'abord, Mongo, l'argent d'abord. Et j'avais demandé une voiture aussi, une belle voiture. Et puisque bon, l'argent, je vais acheter beaucoup de sapologie. Et puis une belle voiture pour mettre des nanas, des jolies nanas derrière, avant que je parte en Europe. Attention, maman, Nefertiti est là. Ouais, Nefertiti, ça, c'est du passé. Il sait que c'est du passé. Ouais, il sait que je suis plus... Je ne suis plus un zombie. Vraiment. J'étais très dangereux. Maintenant, voilà. Donc, mes projets étaient partis dans l'eau. Comme les projets sont partis dans l'eau, et je disais, bon, est-ce que je commençais, puis c'est jamais projet, m'installer. Je disais, à 80, avant que Vive à la musique, les voyages qu'on nous a laissés là, je disais, bon, peut-être je vais avoir l'occasion. Mais j'ai commencé à m'avoir des idées de faire les Ekonzo. Tu connais? Dites-moi un petit peu une question qui est venue de Wayambo. Écoutez, j'ai commencé à faire, tu sais, les caisses qu'on faisait là en bois pour mettre l'argent, voilà, pour acheter un billet pour venir en Europe, d'accord, pour venir m'installer. Vraiment. Voilà, des idées. Mais je voyais que ça va se remplir quand cette caisse de Ekonzo, ça va se remplir quand, c'est ça. Une question de Wayambo, première dame que nous saluons. Aujourd'hui, elle est en train de jouer un film, elle chante, elle n'est surtout pas manquée. Elle me dit de demander pour tout en Camon, à ce temps-là, papa vous dérobe votre rôle. Devant vous, il se comporte comment? Parce qu'aujourd'hui,
l'éducation des enfants. Mmh. Aujourd'hui, nous savons, aujourd'hui, nous sommes en Europe et bien dans le monde, que l'enfant, toute relation mérite respect, que ce soit les relations mari et femme, comme vous êtes avec maman Nefertiti, copain-copine, voisin-voisine. Moi, je ne suis pas copain-copine. Enfant marié. Et parent. Ouais. Hein, il faut du respect, marié, ouais. Du fait que papa Wemba s'est comporté de la sorte. Comment c'était son comportement après s'accaparer voilà, devant vous en tant qu'enfant et lui père, il s'est comporté comment? Bon, j'ai pas vu de changement. J'ai vu, il était toujours pareil comme il est d'habitude. Hein. Voilà, mais moi aussi, je pouvais aussi venir le voir, papa, bah, il faut que tu me donnes quelque chose de bien. Puisque voilà, mais je disais que peut-être on va pas gâter la relation de père et fils. Hein. Peut-être que ça ira. Peut-être que j'aurai toujours l'occasion de résoudre mes rêves. Ça veut dire de réaliser. Ça veut dire peut-être je vais réaliser. Bon, mais Riva dello Pippo, par contre, Riva dello Pippo a beaucoup souffert dans cette affaire-là. D'accord. Donc, raconte-nous un petit peu. Ah, Riva, il a beaucoup souffert. Vraiment? Ah oui, lui, c'était vraiment un problème pour lui. Ça veut dire qu'il fallait qu'il fasse tout pour se racheter. Donc, lui, parce que lui, il voulait, si on comprend bien, lui, il vous voulait pour ce rôle. Voilà, il voulait pour ce rôle. Mais entre le père et le fils, il était pétri, il était tétanisé. Et lui aussi, il n'avait pas de mots. Voilà, il n'avait pas de mots. Il dit que je vais prendre le père ou le fils, mais il sait que lui, il est plus puissant que le fils. Donc, je prends le père. Mais au fond du cœur, il a dit, putain, mais c'est le rôle-là, putain. Mais il a souffert beaucoup. Mais il fallait qu'il fasse tout pour se racheter. Il dit, je vais faire tout pour me racheter. Et je vous dirai comment il a fait pour se racheter. Donc, il a fait tout, il a dit bon. Mais les problèmes que Riva dello Pippo, quand on se voyait avec lui, on se voyait, on parlait. D'accord. Riva dello Pippo ne m'a jamais parlé de la vie est belle. Après, que petit Monique, c'est toi, il fallait que tu sois à la terre, puisque je sais tout, il sait tout. Mais il avait la mâchoire kilo, ça pesait. Ça lui pesait pour me parler de ça. Il était gêné. Voilà, il était gêné de me parler de ça. Tu sais, il voulait plus en revenir, puisqu'il sait que... C'est fait. S'il me parle, tu me connais comment je suis, moi, je suis chaud. S'il me parle, je me dis, allô, Wakuna, il fallait que... T'as vu, tu m'as fait tout ça. Il ne voulait pas revenir sur ça. Voilà, mais lui pensait, qu'est-ce que je peux faire pour ce petit-là? Et qu'est-ce qu'il a fait pour vous taire? Voilà. Pour vous faire taire. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? J'ai loupé, son père, il a pris, mais voilà quoi. Donc, la suite, je vais te le dire tout à l'heure, la suite de moi, il va de l'hôpital. Si Edino, il peut nous, mettre une chanson, puisque bientôt, c'est le 5 ans de Papa Wemba. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. Je suis la journaliste et vous l'invité. Donc, vous me laissez mener mon émission comme je l'entends. S'il vous plaît, papa, le tout en camon. Alors, une chanson. Nous, Toleli papa. Ouais. Toleli, jusqu'à papa. Là, ça fait 5 ans que papa est décédé. Toleli papa, ça veut dire que. Jusqu'à là, 5 ans et vous continuez toujours à le pleurer. Cette chanson, Toleli papa, ça dit quoi déjà dans la chanson? Toleli papa, ça veut dire que j'ai dit beaucoup de choses. C'est ça, quoi, dans le monde entier. Donc, Toleli papa, on a pleuré papa Wemba. J'ai dit des choses dedans. Voilà, quoi. Donc, c'est. On dit en français, moi j'avais deux papas. J'avais papa Wemba et mon père qui m'a mis dans le monde. Moi j'ai quitté chez mon père très jeune, à l'âge de 14 ans. J'ai grandi dans les mains de papa Wemba. Voilà. Malgré tout, il y a eu ce problème de la vie est belle, mais je n'ai pas beaucoup gardé de rancune. D'accord. Mais ce qu'on est en train de dire là, puisque les vérités, comme les gens voulaient savoir la vérité, et rien que la vérité. Bon, j'avais fait une chanson là, tous les lits papa. Pour l'hommage, puisque bientôt 5 ans, il est parti sur Terre. Bon, je vous parle, hein, les gens qui regardent, c'est le fils spirituel, le fils adoptif, puisqu'il m'a adopté enfant, le fils adoptif de Papa Wemba, le petit Makambo, le tout en Kambo, Makambo Star.
Donc, c'est pour ça que je fais cette chanson-là. Et cette chanson est dans l'album Okoyo Ke Loco. Okoyo Ke Loco. Tu vas sentir la chose. Voilà. Subidito. Subidito. Donc, voilà. Et Dino TV Bilingue, s'il peut nous... Les hommes adorent ça. Et les femmes aussi. Voilà. Quand je pense comme ça, tu sais comment on m'appelle maintenant les Congolaises? Quand je passe, Soubidi, Soubidi. Comprenez que c'est le... Demandons vraiment à notre Dieu que son âme, bien sûr, continue toujours à reposer en paix. Vous venez de suivre aussi La Vérité sur la vie, le film de La Vie est Belle, le premier acteur principal qui était demandé par rapport à ce film, c'est bel et bien le petit Makambo, le Toutankhamon. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Ça a fini comment cette histoire? Vous avez gardé rancune? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se racheter? Etc, etc. Racontez-nous un petit peu. Les internautes attendent ça avec impatience. L'esprit était zen. Puisque, comme ma femme sait que je suis quelqu'un qui voit très loin, je disais que, bon, comme les rôles et les prix, j'ai raté le rôle. La famille va pas se déchirer. Donc, la vie continue. Ça veut dire, et puis, le rôle, il continue toujours à fréquenter, à danser, à être dans Viva la musique, à participer dans l'orchestre. Et voilà, j'ai continué, mais bon, voilà. Relation après le film. Je veux dire aussi, j'ajoute aussi que, voilà, qu'il y a la messe le samedi là, le samedi 24, que tout le monde vient à Châteaurouge, métro Saint-Bernard. D'accord. Il y aura la messe de Papa Wemba, les 5 ans de sa mort. Alors, à cet esprit-là, que moi j'ai dit, bon, la vie c'est un combat. Donc, c'est pas la peine. Il a pris, c'est des papas. Les espoirs sont perdus de l'Europe. Voilà, il a donc l'Europe, il est foutu. Et Poto est koufi. Donc, Poto, les voitures, bas la tête. Ouais, bâtir, bas la tête. les sapologies, puiri, comme on dit à Gikongo. Alors, j'ai dit, bon, je vais me battre. Je vais me battre. Comme on dit, il n'est jamais trop tard dans la vie. Donc, ça veut dire que Dieu, il a dit que cet homme-là, ce petit-là, ce gamin-là, il a les talents. Puisque moi j'ai chanté déjà terrible à l'âge de 8 ans, 9 ans. Mon rencontre avec Papa Wemba, à Matongé, on m'appelait Petit Wemba. C'est comme ça que Papa et moi, je suis venu avec la musique. Ça veut dire que c'est Papa Wemba qui a envoyé Pachosta pour venir me chercher. Moi je ne suis pas venu solliciter. D'accord. C'est Papa Wemba qui m'a sollicité pour venir dans la musique. Donc j'ai pensé aussi à ça, que notre relation au début avec mon père. Puis je lui disais toujours, mon fils, il dit, moi, papa, c'est comme mon père. Il dit, non, c'est ton père. C'est pas comme ton père, c'est ton père. Il disait ça, même Afrique, elle est au numéro un vis-à-vis. Je dis, bon, ok, ça continue la vie. Mais Riva de le Pipo, revenons à nos moutons. Riva de le Pipo, il a beaucoup souffert. Il a dit, bon, putain, comment on va faire, ce jeune-là, ce gamin-là. Bon, il attend que moi, je me plains. Ah, viens au Salinga Kolo, tu as donné les rôles à Papa Wemba, tout, nanana. Mais moi, je n'ai rien dit. J'avais gardé tout dans mon cœur. Donc, comme je disais rien, je disais, mais bon, le petit là, j'attends un jour, il va me dire. Il disait rien. Et puis après, maintenant, c'était les Belges. Maintenant, c'est les Français qui sont venus. Eh oui, maintenant, c'est les Français. Les Français qui ont un groupe de théâtre au Festival d'Avignon. S'il a dit ça va se faire, ça va se faire. Et un groupe qui venait des festivals d'Avignon, des Français. Ils sont venus puisqu'il y a beaucoup de Français qui venaient, et les Belges, et les Français. Riva de le Pipo, c'est le petit frère de colonel Jaguer. Longoumé, viens Longoumé, je te salue. Riva de le Pipo! Merci à trop. Donc, ils venaient beaucoup à la maison là. Ils sont venus à la maison. Ils ont dit, on a un théâtre. Au festival d'Avignon. Mais après les théâtres, on a besoin d'un jeune qui anime, qui danse, qui anime terrible. Ils sont partis sillonner. Après, là, ils sortent de l'ambiance dans les Nganda congolais. Dans les maquis. Dans les maquis. Maquis Nganda, comme on dit à l'Inganda.
Bon, les maquis en français, hein, t'as bien souligné. Surtout en ivoirien. Ivoirien, voilà. Nous, c'est Nganda. Nganda. Comme ma femme me dit, Nganda. Je dis pas Nganda, Nganda. L'accent, hein. C'est une antillaise, l'accent français. Elles sont bien sillonnées partout. Ils ont voulu amener l'animateur de Langa Langa Star. Diembela, Diembela. Diembela na bonanga, eh, ekwaite, tindika na bilo kwase, ekwatana ya mame, ekwatana ya pap, soumini, kwatana ya mame, ekwatana ya pap, et continue, kwatana ya mame, ekwatana ya pap. On voulait prendre ce mec-là. Comprenez que c'est Soubidi Toto. Soubidi Toto. Allez, il voulait prendre ce mec-là. Ah. Bon, il va dire, ah, vous voulez le prendre? Mais moi, j'ai quelqu'un. En tout cas, si je vous le montre, hein, vous allez abandonner celui-là de Diembela Nabilo Kwasé. Vous allez, à cause du blanc, vous allez abandonner la prise à l'action. Diembela Nabilo Kwasé, Diembela. C'est qui ce Diembela là? Ça veut dire quoi, Diembela Nabilo Kwasé? Diembela Nabilo Kwasé. Il va plus le pépo. Il a zappé ça. Alors, il a dit, bon, je vais savoir maintenant. La vérité, tout, les blancs, il a dit, bon, attends, je vais vous amener quelqu'un. Bon, on a pris avec le blanc, on a pris la route chez, dans un Ganda qui s'appelle Fano. C'était à Yolo. On a mis vivre la musique, j'ai exhibé, puisqu'ils allaient faire le théâtre. Après le théâtre, il y a un podium, il faut qu'il y ait l'animation. On vend de la bière, les blancs, ils boivent jusqu'à 2h du matin. Mais il faut qu'il y ait un animateur, un chanteur qui va leur faire bouger bien, bien. Alors, il a amené le blanc, il a dit le français. Ils étaient 5 ou 6 comme ça. On est rentré dans 4-4, des 4-4, YOLO. Enfin non, on arrive là-bas. Bon, on boit, on mange des tabacs et tout. Il a dit au DJ, bon, on a dit au blanc, bon, maintenant vous allez voir de quel bois il se chauffe ce petit-là. Ils l'ont mis donc, c'était bordel dans le barat, petit macabois. Les Français ont dit c'est vrai, celui-là, c'est pas lui. C'est celui-ci, celui-là, c'est vraiment le meilleur que nous, on veut prendre. Bon, moi, j'étais petit, j'étais un turbulent. Tu sais, mon père m'appelait quoi? Jongleur. Il m'a dit, de toute façon, t'es un jongleur. Puis t'es un jongleur. Alors, Rivado, le plus pas bien, il m'a dit, ah, il connaissait ce surnom, il a dit jongleur. Alors, puisque toi, tu jongles tout le temps, puisque mon père, il disait, j'ai toujours raison. J'essaye toujours de camoufler, quoi, de fouiller. Bon, Bamindelo, les Français, là, tu as vu qu'ils veulent t'amener en Europe. Tu penses quoi? J'ai fait, ouf, mon Dieu, est-ce que tu dis la vérité? Je ne croyais pas. Ils vont t'amener en Europe. Rivadelo Pipe, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se racheter. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vie est belle. Il n'a pas pris ça. Maintenant, cette rôle-là, il ne faut pas qu'il le rate. Puisque s'il le rate encore, c'est la mort. Donc, moi, il va dire le pipo, avec le petit-là, ça va être vraiment... Ah ben, c'est l'injustice plus. Ah, là, vraiment, c'est, il va me trouver le plus mauvais du monde. Alors, il m'a dit, bon, je trouve que... bon, est-ce que tu as un passeport? Je lui ai dit, je n'ai pas le passeport, moi. Bon, tu as 7000 zaïres. Espèce. Tu as 7000 zaïres. De toute façon... toi, tu es un jongleur, tu es un turbulent. J'ai pris les 7000 zaïres, là, j'ai mis ça dans mes chaussettes. Allez, j'ai pris un taxi, j'ai mis des bassins, comme on dit, des gazelles, deux gazelles dedans. Allez, je commence à pavaner, à faire l'ambiance. Les 7000 zaïres, bon, c'est fini. Je viens le lendemain. Alors, tu as fait les démarches de passeport? J'ai dit oui, j'ai fait les démarches de passeport. Mais j'étais vraiment un tribulant. Donc, au contraire, j'ai tout mangé l'argent. Il m'a dit, OK, on verra. Bon, tiens encore 7000 zaïres. Là, il m'a pris comme ça. Il m'a secoué. Il m'a mis pas avec moi. Donc, il faut que tu amènes le passeport. Il s'est énervé grave. Alors, j'ai dit vraiment, ah, là, ça devient sérieux. J'ai pris 7000 zaïres. Ah, là, j'ai habité chez mon oncle. Et il y avait un petit cousin qui était un voleur. Ça veut dire quand il dormait la nuit, il te faisait les poches. Donc, quand je venais des concerts, quand je dormais, je me réveillais, je ne me trouvais plus rien dans les poches. Donc, le petit là, il me faisait les machins. Alors, j'ai pris cet argent-là, j'ai dormi, puisque j'habitais, j'ai quitté chez nous en Binza, j'étais
la parcelle de mon père à Matongé. Alors le lendemain, le soir, je suis parti dans le concert de Langaranga Star. À moi, quand je ne te connaissais pas, je ne te parlais pas. Si tu me donnes la main, ça restait comme ça. Je ne saluais pas les gens. Très gonflé. Donc, comme mon père disait, mon fils, on m'a dit, les gens se plaignent. Les gens, ils sont en train de se plaindre. Du tout petit, il est tout très orgueilleux. Alors, je rentre dans le concert. Je sais qu'un mec qui m'appelle. Tu viens. Il ne savait pas qui m'a appelé. Au contraire, c'est le directeur de la Banque du Peuple du Zaïre. Petit Makambo, il a envoyé quelqu'un. Benglamon, appelle-moi ce gamin-là. Je suis venu. Ah, dis-moi, je suis ça. Il ne peut pas dire que je suis le directeur. Hein. Mais il dit, je suis ça. En tout cas, je t'apprécie beaucoup. Je te vois, tu es un bâtard, tu es encouragé, tout ça là. Quel est ton projet? Tu penses comment, puisque ton père n'est pas là, il est là-bas en Europe, papa, oui, Mathieu. Qu'est-ce que tu penses? Je dis, en tout cas, moi, je pense qu'il faut faire tout pour y aller. Hein. Il m'a dit, viens me voir demain à la Banque du Peuple. J'ai dit, je n'ai pas assez d'argent pour le passeport. Viens demain. J'arrive, au lieu de venir calmement, je viens avec des mâles assis. Je viens avec des mâles assis. Mal assis, expliqué. Les mâles à des démarches de frimer. Voilà. Mal assis. Alors, les sapeurs. Voilà, les policiers, ils m'ont suivi avec des matraques. Je fuis, j'étais de l'autre côté, je regardais de loin. Et le directeur qui descend, il dit, il est où ce jeune-là? Oh non, il est là. Il venait avec le mal assis ici. On l'a matraqué, il a fouillé. Et là, hein? Là, vous avez complètement oublié de respecter votre habillé. Mais je t'ai dit, j'étais turbulent, Chaco. Je t'ai dit, pas possible. Au lieu de venir, tu viens voir un directeur, de venir calmement. Et aisément, calmement, tu viens avec des mal assis. Donc, ils m'ont suivi avec des matraques. Je suis parti, je regardais de loin. Et lui, il descend. Il dit, il est où Petit Makambo? Il est là-bas. Mais pourquoi il n'a pas monté? Bordel, il fallait qu'il monte. Non, chef, il marchait comme quelqu'un qui avait les Mayanzi. Donc, nous, on ne savait pas qu'il est venu. Mayanzi, c'est des... Des chics. Les chics. Voilà, les chics. Il venait comme quelqu'un qui avait le paralysie. Bon, les Congolais savent comment je marchais à l'époque. Babouka. Comme on dirait quelqu'un qui a la paralysie, tout ça. Nous, on a vu que c'est un fou. Donc, on l'a attaqué. Il a fouillé, il est parti là-bas. Bon, dernièrement, si prochainement s'il vient, il faut le faire entrer, hein, puisque là... À ce point il monte en vitesse, hein. Donc, s'il ne monte pas, vous allez avoir des problèmes avec moi. Les gendarmes, ils tremblaient. On est rentré dans la Mercedes, descend, il venait sortir, il a mis la clim. Moi, j'étais là dehors, j'attendais dans la chaleur, il a mis la clim. Maintenant, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai les voitures. Toutes mes voitures à la clim. Ils ont la clim à Paris. Nous évoluons. Je suis rentré là-dedans. Bon, on va se voir, hein? Ok, on va se voir. Bon, tiens, 10 000, ça y est. Et puis, donc 15 000, les billets, les mazés de l'autre là, c'était de bleu, hein? Les 5 000. Elle m'a donné 3 paquets, 15 000, m'a dit, bon, on va se voir. Mais je pense que tu tiens à ce projet-là de partir. Mm-hmm. C'est pas aller voir le Banzel et finir l'argent. Et puis après, je suis parti. Voir mon père. Père biologique ou père... Biologique, mon père. D'accord. Papa, il n'était pas là. Il était en France. En Europe, voilà, mon père adoptif. Je suis parti voir mon père en Mbinza. Je suis arrivé, j'ai dit à mon père, papa, je cherche un passeport. Mon père, c'était de Sireté de Mobutu à l'époque. D'accord. Voilà, la Sémérie. Ça veut dire, nous, on habitait à Gombe. Ça veut dire que quand Mobutu passait à la voiture, comme ça, tu voyais derrière la voiture, c'était la voiture de mon père. Donc, tout le monde avait peur de moi. Donc, mais après, là, il ne travaillait plus chez Mobutu puisqu'il était à la retraite. Je lui ai dit, papa, moi, je vais y aller en France. Et puis après, il a dit, tu vas y aller? Puisqu'il ne voulait pas que j'aille en France. Il a dit, s'il va là-bas, il va le mettre des poutoulous, il va se droguer puisque c'est un turbulent. Voilà. Alors, moi, j'ai dit, bon, tiens. Donc, vous étiez incorrigible. Voilà, j'étais un turbulent grave. J'ai mis l'argent, je donnais à mon père. Il dit, papa, je passerai pour venir prendre le passeport. Et puis, papa, il m'a dit, au fait, OK. Mais il a pris l'argent, il a dit à ma mère, de toute façon, c'est un bandit, il rencontre des conneries. Donc, il a mis l'argent à côté. 2 semaines, je suis venu voir mon père, j'ai dit, papa, où est le passeport? Il a dit, bon, je n'ai pas fait. J'ai pris 3 000 zaïres, j'ai donné.
père a crié, quoi? 3000 Zaïre, taille, taille. Il a dit à ma mère, eh mon Dieu, c'est vraiment, ça devient un mec sérieux. Et c'est plus un jongleur. Je et vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. Ah, quand même. Puisqu'elle a vu l'argent que j'avais dit, il a eu ses sous là où? Alors il m'a fait agenouiller. Nous, on était chat-souris. Le chat et les souris, il m'a fait agenouiller et il m'a craché sur la tête. Il m'a dit, mon fils, je te bénis, tu vas y aller. Ah non, il vous a béni parce que cracher sur la tête. Ouais, béni. Ouais, il a béni son enfant. Mon père faisait toujours comme ça. D'accord. Ou soit, tu vas avoir. Moi, je fais ça beaucoup à mes enfants aussi. Voilà. Puisque je fais beaucoup à mes enfants. Alors, moi, j'ai dit, ah, nous, on a été chat et souris. Donc, il m'a béni. Nous, quand mon père était à la maison, je t'ai vu la voiture, je sautais, je fouillais. Puisqu'il ne voulait pas ce que je faisais. Voilà. Donc, après, j'ai dit, bon, ok, bon, moi, je vais faire tout pour me démerder. Et c'est lui qui donnait le laissez-passer en ville, là. C'était le secrétaire de mon père. Quand mon père, il était au boulot. Son secrétaire, là, il était très jeune. Je finis de voir, en tout cas, il faut que tu fasses des choses pour moi. Il faut que j'aille. Il faut que tu fasses des choses pour moi. Lui aussi, c'est un sireté. C'est les gens de on appelait ça à l'époque Sénéry. Et Rive, à ce moment-là, il est où? Parce que vous l'avez sorti un petit peu de l'histoire. Il est où? Rive, à ce moment-là, lui, il attend le passeport. Lui aussi, il attend le passeport. Voilà. Il vous a donné deux fois l'argent, 7 000. Voilà, voilà. Donc, vous avez... Manger. Ouais. Mais les 7 000 restants, ouais, vous les avez encore. Voilà. D'accord. Et le directeur, il avait ajouté encore. Et vous allez encore demander à papa, ouais, qui lui, vous connaissant, ouais, vous fait d'abord attendre pour, ouais, voir s'il y a du sérieux. Voilà. Mais finalement, il y a tellement du sérieux que papa, il est ému, il vous fait agenouiller pour vous bénir. C'est une technique africaine où nos parents nous mettent à genoux pour nous bénir. Ils vont pas nous cracher à la tête, mais ils vont parler, dire des bénédictions. Voilà, voilà. D'accord. Voilà. Ça devient émouvant. Voilà, voilà. Bon. Moi, après là, je suis parti voir le secrétaire de père en ville. D'accord. Voilà, j'ai vu le secrétaire de père en ville. Mais Rivadelo Pipo, lui, il attend les passeports. D'accord. Rivadelo Pipo. Confiance. Voilà, il fait confiance. Non, il est énervé. Je ne peux pas aller là-bas sans passeport, puisque je risque d'avoir des claques. Mais rappelons, excusez-moi de vous couper la parole, moi je félicite Rivadelo, vraiment, il a du cœur. Hein. Rivadelo Pipo. Delo Pipo. Je le félicite dans cette histoire parce qu'on voit quand même sa façon de se comporter. Il veut se racheter. Étant adulte, d'avoir il a fait le rôle de parent, ouais. Voilà, il est à féliciter quand même. C'est pour ça que je rappelle qu'on le sort un petit peu de l'histoire. Il est où, lui, dans cette histoire là? Voilà, il attend les passeports. Et ce petit là, les blancs, ils sont en train de, ils ont déjà envoyé le prise en charge. D'accord. Le prise en charge qui est à l'ambassade française. De qui? Alors, Riva, comment on fait? Le petit, est-ce qu'il a amené les passeports? Puisqu'on a déjà appelé El Zahir, puisqu'il faut qu'il aille chercher le billet. Alors, moi, je fouille ma tongue, puisqu'il y a la pression de Riva. Je suis parti en Bissau, je me suis caché là-bas. Donc, il verra sûrement ma gueule quand j'aurai le passeport. Alors, j'ai dit mon père, il m'a dit, ok, bon. Je suis parti voir son secrétaire. Son secrétaire a pris, les démarches. Il a dit, bon, tu m'attends, tu viens à midi quand je vais manger, je vais mettre dans ma voiture, on va aller à l'affaire étrangère. C'est pas que je suis dans la voiture avec lui. On arrive comme ça, la porte s'ouvre. On rentre jusqu'au bureau. Il dit, c'est l'enfant de M. Ifété. C'est le fils de Ifété. Il va partir. C'est jour ici. On est en train de faire le passeport devant moi. Les gens faisaient la quête dehors. Ça galérait dehors. On fait le passeport. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, c'est bon. Vous faites le passeport? Le timbre. J'ai sorti l'argent, j'ai donné. Bon. Alors, à plus, hein, bon voyage. Il a pris sa voiture, il est rentré dans son bureau. Donc, moi, l'autorité l'a déjà dit. Ça veut dire qu'on m'a donné le passeport. D'accord. Alors, je suis sorti là. L'affaire étrangère, j'ai commencé les malassis. Vous ne l'aviez pas perdu, votre passeport? Non, j'ai commencé les...
J'ai commencé les malassi, les Congolais là-bas, comment on a pour tout ville, qu'on a dit qu'ils sont au terre. Sauf qu'on a dit qu'ils sont les gars. Moi, j'ai dit, regarde, ce genre-là, je n'ai pas encore le billet. Ils commencent à chanter sur moi. Alors, j'arrive le soir, là, directement, voir Viri Vadelo People. Le même soir. Le même soir, là. Pourquoi je viens avec les malades? Oh, à Poutouville, j'ai crié. Yakananoa, viens là. Ton Poutouville, là, j'en ai marre, viens, Yakananoa. Allez, tiens le passeport. Et je dis, j'ai le passeport. Voilà, c'est bon. On s'est entendu là. Il a regardé bien. Ok, c'est bon. Bon. Demain, là, il faut que tu ailles à l'ambassade. Tu vas leur dire que l'ambassade de la France. Tu vas leur dire que tu as eu le passeport. Comme ça, ils vont appeler Air Zaïre. Mais je suis parti. J'étais bluffé, quoi. J'arrive comme ça. J'arrive en bas là-bas. Allô, ouais, ok, allô. Il y a le petit Makambo qui vient d'arriver. Hein? Il vient d'arriver. Il va monter au troisième là. Je monte au troisième. Le gars du troisième. Allô, Air Zaïre, il y a le petit Makambo, il faut qu'il vienne chercher son billet. Je suis bon. S'il cherche le billet, il va revenir pour son visa. Je suis parti là-bas. On m'a donné les billets. Tout ça arrive à Delopipo. C'est pas que j'ai déjà le billet. Voilà. Allô, Riva. Il faut me passer à l'ambassade. J'appelle chez eux. Allô, petit Makambo. Si on te dit que. Quel visa que tu veux? Il faut leur dire plusieurs entrées. Comme ça, ils vont te donner un an. Là, c'est qui vous passe le coup de fil? Si je parle à l'ambassade, d'accord, avec Riva au téléphone. D'accord, ok. J'arrive comme ça, les demandes. Jeune homme, quel visa tu veux? Plusieurs entrées. J'ai paniqué, j'ai dit, Riva, je pensais d'être. Plusieurs entrées. Pas une année. D'accord. Ce n'était pas donné à tout le monde. Visa n'est un an, plusieurs. Ça veut dire que je veux venir, je rentre à Kin, je monte. Après, je sors de Air Zaïre mal assis. Bon, donc, on ne va pas finir tout de suite. Là, et votre relation aujourd'hui avec Riva Dello Pipo? Donc, je sors de là. Aujourd'hui, en Europe. Riva Dello Pipo, notre relation est toujours bien. Puis, c'est quand je suis parti à Kin, c'est la première personne que j'ai cherché à voir d'abord. D'accord. C'était Riva Dello Pipo. Voilà, Riva Dello Pipo. Même dans l'album où là, tu n'es pas, tu le dis papa, tu entends bien, tu entends là, Riva Dello Pipo. Je suis parti à Kin, je suis arrivé là-bas. J'ai dit, viens, moi, il faut que je te gâte et tout. Il m'a dit, je n'ai pas besoin, achète-moi juste un jus comme ça, un petit truc. Vraiment. Je lui ai dit, pour la salle, ma belle, il faut que je te gâte à mort. Elle a dit, non, c'est pas la peine. Achète-moi un petit jus comme ça, une bière, ça suffit. Voilà. Donc, je venais le voir tout le temps. Ça veut dire que Riva Dello Pipo, il s'est racheté. D'accord. Oui, on voit ça. Tu comprends? À Sombi, à Fouti, comme on dit, Ningala. À Fouti, Nyongo, Nyongonaye. Il a payé sa dette. Mais on voit dedans, dans l'histoire, que lui, il paye sa dette. Mais vous ne tenez pas un petit peu promesse dans les temps, parce que vous mangez l'argent. Non, je parle de qu'elle a tenu sa promesse. Oui, puisque, oui, en tant qu'adulte, voilà, par rapport à l'enfant. Il a tenu sa promesse, ça veut dire que comment il n'avait pas de choix. L'acteur principal, c'est Petit Makambo. Papa Wemba s'est imposé, il a dit que moi, je vais être l'acteur. Donc, il faut que l'enfant soit écarté, moi, je prends sa place. D'accord, oui, voilà, oui. C'est ce que j'explique dans le sens où il était quand même conscient que vous étiez blessé. Donc, il a fallu qu'il se rachète en vous honorant pour votre voyage, par exemple. Donc, je trouve que l'acte, elle est pas mal, elle est bien. Le problème qu'Eri va dire, le pipo, ces trucs-là, quand c'est venu, il pouvait zapper ça aussi, il pouvait donner ça à quelqu'un d'autre. Tu vois? Puisque moi, je disais, mon Dieu, je tiens beaucoup à rejoindre le groupe à Paris. Je tiens beaucoup à rejoindre le groupe à Paris. Mais c'était la vie est belle qu'il allait, mais voilà, mais aider pour réaliser mes rêves. Et puis après, c'était mort. Alors, j'avais plus d'espoir de venir m'installer. Puisque moi, puisque Vive la Musique, quand il est venu la dernière fois là, ici en Europe, c'était pour s'installer. On était restés 10 musiciens. Moi, mon papa, il n'est pas là. Je suis malheureux. Je dis, il faut que moi, je fasse tout pour venir m'installer. Donc, je comptais beaucoup pour La Vie est Belle. Ça veut dire que j'allais venir même avant
puisque lui, il est venu seulement pour tourner le film là et puis rentrer en Europe. Mm-hmm. Donc, moi, je pensais que si je fais les rôles là, je vais être quand même surpris. Ils vont me trouver, ils vont me trouver là-bas, à Paris. Mm-hmm. Donc, ça n'a pas donné. Donc, comme on dit, l'espoir fait vivre. Mm-hmm. L'espoir peut vivre. On a eu toujours. Je n'ai pas non plus boudé. Mm-hmm. Boudé, puisque tu as vu les musiciens d'aujourd'hui, tu as vu comment ça se déchire, ça s'insulte, machin, nani, nana. Voilà, comme on dit, les lèges, ça, se lave en famille. Mm-hmm. Donc, après, la vie est belle, c'est quoi? Quelle année? Je pense que 84. La vérité vient de sortir aujourd'hui. Voilà. Bon, la vérité, ce que je dis, comme j'avais posé la question, il dit non. Il dit non, image. Et tu m'as dit, pourquoi Riva de l'Opipo n'avait pas dit ça avant, quand ton père, il était vivant? Pourquoi l'émission qu'il a fait à Kinshasa? Est-ce que tu comprends? Mm-hmm. Pourquoi Riva de l'Opipo, on n'a pas dit ça avant? Pour que le reste puisse savoir la vérité. Mm-hmm. Mais à Matongé, à le circuit de Matongé, Kassavubu, tout le monde savait que les blancs, les co, ils voyaient les blancs là, ils cherchaient Petit Makambo. Tout le monde voyait les blancs qui traînaient, ils cherchaient Petit Makambo. Pour le rôle de la vie est belle. D'accord. Donc, ils étaient au courant. Tu vois. Mais les restes du monde, ils n'étaient pas au courant. Voilà, voilà. Donc, comme il dit, il m'a dit, ah, il avait peur, peut-être s'il disait ça, ton père, il n'allait pas être content quand il était vivant. Il m'a dit, hein. Il avait quand même... Ça, c'est la question de Dino. Il avait quand même une certaine notoriété que vous n'aviez pas. Donc, devant lui, vous n'étiez rien. Donc, vous ne pouviez pas vous imposer. Et vraiment... Moi, j'avais compris. Mm-hmm. Moi, j'avais compris. D'accord. Moi, j'avais compris. Mais... J'avais compris, c'est comme une mouche, elle veut se battre avec un lion. Bah oui. Voilà. Bon, mon père, il a pris les rôles. C'est pas mal non plus aussi. D'accord. Il a pris les rôles, on ne va pas se tuer. Mais vous étiez quand même dans le film aussi. J'étais dans le film, hein. Ça veut dire que pour... flatter le petit, on va lui donner quand même quelques rôles. Pour flatter moi, non, on va flatter l'enfant. On va lui donner quand même quelques miettes, quelque chose à manger. Vraiment. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Alors, avant de parler de l'album, hein, Balbi, l'album Oyo Keloko ya Subili Toto. Vous avez peut-être une dernière question, enfin une dernière chose à dire par rapport au film de La vie est belle, à votre relation avec Riva de l'Opipo que nous saluons vraiment respectueusement. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens aussi qui vous ont posé des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, le film de La vie est belle avec Papa Wemba Shungu et Koumani? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En tout cas, moi, comme je t'ai dit, hein, les gens m'ont appelé beaucoup pour me dire, voilà, ton père, il n'a pas bien fait, pourquoi il a pris ton rôle, nani nanana, nani nanana, etc., etc. Bon, moi, comme je t'expliquais, bon, je ne pouvais pas faire la guerre avec mon père, avec Papa Wemba, étant que fils adoptif. Il a pris le rôle, ce n'était pas la fin du monde non plus. On rigolait toujours ensemble. Ce que je peux dire au Moleman, j'ai souffert quand même de cette histoire, mais j'avais oublié aussi vite. Et tant qu'enfant, j'avais oublié aussi vite cette affaire-là. Quand on m'a mis dans le film, j'étais content. J'avais, comme on dit à Lingala, j'avais le lingui. J'avais un plaisir. Ah, on m'a mis, je suis là-dedans, je suis content. Nanana. Voilà, donc, comme on dit. Il faut laisser le temps au temps. Et puis, comment dirais-je, qui vivra verra. La route est longue. Mes rêves que je voulais faire, des bagnoles, j'en ai toutes sortes maintenant, avec clim, grand maison, grand ville en Toko, des gosses, j'en ai. Voilà. Alors aujourd'hui, une dernière question avant de passer à l'album, s'il vous plaît. Les grands villes en Togo. Vous avez dit que le film est sorti en 1984, si j'ai bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ouais. Et pourquoi parler de ça aujourd'hui? Mais pourquoi vous avez... aujourd'hui, nous avons votre album quand même. Je dis que je vous... Pourquoi parler de La vie est belle? Je vous explique l'histoire au début. Moi, j'ai entendu qu'un Congolais, les Brassac, ah,
J'apprends aujourd'hui, c'est toi qui allais être l'acteur, tout ça là. Mais moi, je suis au courant de tout ça là depuis longtemps. Mm-hmm. Mais en tout cas, il faut que tu puisses éclairer les choses. Il faut que tu parles toi aussi. Mm-hmm. Lui va dire le pipo, il a parlé, mais toi, il faut que tu parles aussi. D'accord. Puisque si tu laisses comme ça, mm-hmm. nous, on ne saura pas vraiment la vérité, la vérité. Donc, c'est le public qui a demandé la vérité sur... sur la... D'accord. Le film La vie est belle, les gens qui nous regardent, le film La vie est belle, le rôle principal, c'est lui qui allait le faire, c'est Petit Macamo, le tout en le tout en Camon. Bon, la vérité est là, puisque le Congolais, ils ont vu. Mm-hmm. Bon, après ces années-là, moi, je suis même quand même surpris. Mm-hmm. Je vais te dire la vérité, je suis tellement surpris que Rivadé le Pipo mm-hmm. sort cette affaire-là. Et j'étais interloqué. D'accord. Voilà, interloqué vraiment énormément qu'il puisse sortir cette affaire-là. Pour moi, cette affaire-là, c'est du passé. C'est pour moi, c'est comme mettre de l'huile dans le feu. Ça veut dire que ma faute est kalingami. Et ça veut dire que les choses qui étaient cachées, mmh. et c'est sorti, mmh. puisque les mélomanes, ils ont découvert, maintenant, ils m'ont attaqué, moi, pour que je puisse parler dans cette affaire mmh. aussi. Normalement, moi, j'ai oublié. Ça, ma femme, quand elle a vu la première fois, la vie est belle, elle était contente. Elle mettait tout le temps la vie est belle. Mmh. Mais pourtant, moi, à la maison, je ne regardais pas ça. Mmh. Tu vois, bon, la vie est belle, je ne regardais plus, c'est du passé. Mais c'est la vérité. Et que je suis surpris que Rivadé le Pipo puisse les sortir. Mmh. Voilà. Alors, les mélomanes qui posaient la question, pourquoi quand ton papa, il était vivant, pourquoi Aloba qui a monté, pourquoi il n'avait pas parlé de ça? Bon. Et Dino m'a posé la question aussi. Il a dit, Dino l'a dit, peut-être il avait peur que les relations s'enveniment. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais tout vive la musique, hein? Maman Chaco, la doliprane de l'Afrique. la doliprane de l'Afrique. Donc, tout le monde, les Congolais, ils étaient au courant. Que Petit Macambo qui allait être le rôle, l'acteur principal. Mais voilà, et puis après... Comme Maï Cholaka, l'histoire, l'eau a coulé, les gens ont oublié tout ça là. Est-ce que vous avez continué à faire des films aujourd'hui? Ou vous êtes resté que dans la chanson? Attention, attention. J'ai fait un film français à 98 ici. Oh, parlez. Eh oui, on a les films à la maison. Ma femme peut être confirmée. Le titre, avec qui vous avez joué? Ça s'appelle L'amour. L'amour. C'est un film français. D'accord. Et moi, j'ai fait un concert dans ce film-là. Okay. Qui est passé à Châtelet, qui est passé à Canal Plus. Hein. À l'époque. Vous avez des acteurs connus quand même? Il y avait français. Des acteurs connus là-dedans. Puisque moi, à l'époque, c'est passé dans Canal. D'accord. J'habitais à Villeneuve-la-Garenne. Okay. Le voisin vient taper sur la porte de ma femme. Ah, hey, ton mari, il passe dans Canal. Ton mari, il passe dans un film français. Il a dit, mais il est calme. On ne savait pas qui il est, puisqu'il descend, il part calmement. Ah bon, lui, il fait des choses comme ça. Le film-là, il passait chaque 13 heures dans Canal+. Ah, à l'époque, je touchais 48 000 francs. Puisque la chanson qui est dans ce film-là, c'est moi qui ai écrit. Voilà. Donc, on est parti voir ce film-là à Châtelet. D'accord. Donc, quand le film est fini, il y avait du monde, dès que la lumière s'est allumée, les gens, ils m'ont dit, ah, c'est le... Les autographes. C'est les blancs comment ils sont. Vraiment. Voilà, donc, si il peut nous mettre... On parle un peu de, comme tu as dit là, tout à l'heure. Vraiment. De Soubidi Toto. Voilà, alors, je profite, avant de parler de l'album, de saluer quelques de mes amis. De la presse. Alors, je pense à Wayambo, première dame, ma jumelle. Je fais des gros, 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 gros bisous à mes boubous et mes enfants. Et je rappelle encore la sortie officielle très, très bientôt dans vos bacs. Les 12 tribus du King Kester et Meneya avec l'empereur Pasingyangi. Et celui qui suit l'album Demowemo. Et bien sûr, ma participation dans le clip très, très bientôt. Et je dis que vivent les Kestériens. Alors, papa, l'album Soubili Tout en Camon. Tout en Camon. Dans l'album, il y a combien de titres? Dans l'album, il y a combien? Il y a 8 titres. 8 titres. 8 titres. Dans les 8 titres, quelle chanson qui vous
qui vous prend. Mais la chanson, par exemple, Love Maggie, la chanson que j'ai fait à ma femme en anglais, là, les gens adorent ça beaucoup. Chantez-nous quelquefois une petite mélodie, chantez juste une petite mélodie. Il fallait qu'il prenne ça dans les mouvements, mais il n'avait plus chantez, pas ça. Chantez, mais vous, chantez-nous une petite, quelques phrases, s'il vous plaît. Me, I love you, chérie. You give me rendezvous, yo-yo. You change day on rendezvous. Me cry, my girl. Wanna stand up, baby? Me, I love you, go. You make me crazy. You make me crazy. I love you, Maggie. Mais c'est dans YouTube, hein? Vraiment. Dans YouTube, les gens peuvent le donc, dans YouTube, comme il le dit, si vous voulez écouter la chanson et tout l'album, pourquoi pas. Hommage, hein? Hommage. Hommage, par exemple, on dit aux gens aussi qui viennent beaucoup pour la messe du 24 à 10h, mettez au Château Rouge. D'accord. Voilà. Alors, l'album, il y a une chanson là aussi, ici. Il y en avait pris quelques-unes. Il y en a quelques-unes que... comment dirais-je, Edine, on l'avait pris, il y en a quelques chansons que j'ai, voilà quoi, on peut écouter quelques-unes, puisqu'il y en a, il y en a beaucoup, puisque tout ce que je fais, la plupart, c'est ma femme, c'est elle qui monte, c'est une monteuse des images. D'accord. C'est elle qui monte les images de mes clips. Donc, c'est une informaticienne. C'est elle qui monte les images des clips, quoi. D'accord. Donc, l'album marche bien, comme on a dit. L'album, il est sorti dans... Comment dirais-je dans... c'est moi le producteur, puisque j'ai produit mes albums depuis 88, 98 plutôt, pas 88, 98. Hein. Donc, j'ai produit Chauffer la chambre. J'ai produit Chauffer la chambre. Moi, j'ai toujours des titres hein, chauds. Chauffer la chambre. J'ai produit Scorpion, Tatika. J'ai produit Soubillage. Nani atinda kiyo, oshina kabato, oh koyoke, Soubili, Soubillage. Et puis on a fini le quatrième que je produis, Soubili Toto. Voilà, ça veut dire que les femmes qui veulent pigeonner, des choses comme ça, comme ils veulent prendre, comme tu as dit, sont pressées, de jeunes filles hein, d'aujourd'hui. Elles sont tellement pressées. Il y a aussi la chanson que j'ai fait. Non, pas celui-là. Il y a la chanson qu'on a fait aussi, comment ça s'appelle il y a une chanson qui s'appelle Love Maggie, celle que j'ai chantée pour ma femme. Hein. Il y a quoi encore il y a l'autre là. Na benisa na poto poto sa bitumba mama e. Voilà. Bolingi mbongo, bolingi ndako. Boko biso doko suka api mama e. Donc, on se connaît à AVC. Puisque le problème, il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de. Dès que la femme le jette, et puis après, ils commencent à boire. Et voilà quoi. Et puis, vous aussi, les Congolaises, parlons un peu. Doliprane, Chaco, Mado Chaco, la Doliprane Afrique. Il faut que moi, je veux passer aussi qu'ils soient un peu gentils aussi avec les hommes congolais. C'est pour cela, la chanson a dit. Na bengisa yo te na poto poto sa bitumba. Ça veut dire que je t'ai fait venir en Europe. Je ne t'ai pas fait venir en Europe. Voilà, pour qu'on fasse la guerre. Donc, je t'ai fait venir en Europe pour qu'on soit, en confond de famille, qu'on soit heureux. Qu'on soit heureux, qu'on puisse construire. Qu'on ne fasse pas la guerre, mais l'amour, comme l'amour, on dit. L'amour. Voilà. Mais tu as remarqué ici, on vient de loin, hein? 8000 kilomètres, hein? On se déchire grave ici. Puisque vraiment, c'est dommage qu'on puisse se déchirer de cette façon-là. Penses-tu que ce soit la faute de la femme ou plutôt de l'homme? Ouais. C'est pas la faute de... Ouais, c'est pas la faute de l'homme, c'est ni la faute de la femme, mais il faut qu'on puisse se comprendre. Voilà. Megui, donc, il faut qu'on puisse se comprendre dans le sens que qu'on s'entend mieux dans les nouveautés. Il faut qu'on s'entend mieux qu'on puisse comprendre qu'on vient de loin. Entre nous, il faut qu'on s'aime. Comprends? Même s'il y a des problèmes, mais il faut qu'on fasse tout
pour arranger. Arranger nos problèmes. Nos problèmes, il faut qu'on fasse tout arranger. Et tu dis quoi dans ces cas-là? Moi, je dis que si on a des problèmes, il faut qu'on arrange. Dans les couples. Voilà. On s'arrange, ça veut dire que... voilà, quoi. Mais ceux qui se déchirent maintenant, nos enfants qui souffrent. Les enfants, puisqu'il y a des déchirements, les enfants, ils sont en train de souffrir beaucoup dans ce sens-là. Non, c'est sûr. Mais il faut donner aussi des conseils. Oh, maman, toi, tu es une femme, tu leur dis quoi dans les conseils-là? Ah, il faut les vraiment, conseils. Là, je pense que ça fera partie de notre émission. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de la vérité sur le film de La vie est belle. Nous savons que c'est vous qui êtes présumé être l'acteur principal, mais par rapport au droit de naissance, c'est Papa Wemba qui a pris le rôle. Nous ne pouvons pas parler parce que vous étiez enfant, mais comme vous aviez des projets par rapport à ce qu'on vous proposait pour venir en Europe, aujourd'hui, vous êtes ici en Europe. Et puis, Monsieur Riva Dello Pipo en a parlé, c'est pour ça que vous êtes venu à l'émission, pour faire part, pour répondre un petit peu aux questions. Éclaircir ce problème-là, voilà, aussi, éclaircir le problème aussi, mais aussi parler de... Là, on est maintenant sur l'album. Oui. Là, on a parlé de l'album. Vous avez dit qu'il y avait 8 titres. Vous avez cité quelques titres, entre autres... ça fait 5 ans que Papa Wemba est décédé. Donc, vous avez voulu remémorer sa mémoire à travers cette chanson, Tolingi. Et nous demandons vraiment à la terre de nos ancêtres de lui être vraiment douce. Je pense qu'on n'est pas beaucoup de musiciens qui ont fait une chanson pour, voilà, dans le sens que qui ont fait une chanson entière dans le sens que moi, j'ai fait une chanson des sons vivants. Travaillez, prenez de la peine. Papa, l'on a qui bilanga, l'on est bon, si, mouma. Baninga boato, c'est pele longo. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Mouninga salicio, dimaye. Soki l'on a comme iboye, dimaye. Soko l'on a comme imoton, dimaye. Papa, l'on a sala kabato manamu gogo. Bazongi, c'est la kaye mabe. Papa, donc il descend vivant, il a écouté cette chanson-là, l'album de Casser la baraque, il a beaucoup aimé ça. Descend vivant. Je n'ai pas entendu qu'il lui mais que moi je lui fasse une chanson. Descend vivant. Vous voyez l'avance que j'avais déjà. Donc cette chanson-là, c'est à 96. D'accord. Dans mon premier album, j'ai fait déjà une chanson pour pouvoir même descend vivant. Que c'était un jeton que j'avais jeté sur Koffi Olomide. Ah. Ouais, c'est un jeton que j'avais à jeter sur Koffi Olomide. Ça veut dire que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Sans qu'il est là comme il boye, dit maillé. Sans qu'il est là comme il moto, dit maillé. Papa n'a pas la kabato malamou gogo. Bazon y sera kaye mabe, papa. Ça veut dire que c'était un jeton à Koffi, puisque l'ingratitude, puisque comme Papa Wemba t'a vu, les émissions que. Petit Nanga, c'est moi qui l'a fait. Gaïb, on a salaïe. Petit Nanga, tu l'as la moko. On a vu ça sur YouTube. C'est Petit Nanga. Tu comprends? Donc, la reconnaissance, il faut être. Ça veut dire que personne n'est parfait. Nous tous, on a nos défauts. Personne ne peut dire que moi, je suis sans défaut. Moi, j'ai des défauts. Lui, tout le monde a des défauts. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ça. Donc c'est un combat la vie. Et on continue. Et j'ai dit nous balancer le moi s'appelle Chap. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir été attentif, d'avoir suivi et d'avoir compris l'intitulé de notre émission sur la vérité. De la vie belle. De la vie est belle avec le tout en camon, le petit. Makamo, restez toujours connectés et continuez à suivre votre chaîne Yalolo Chouami Télévision en collaboration avec Mado Chaco TV. Encore joyeux anniversaire, longue durée de vie à vous, Papa Ikoza
débat sans cousseau. Merci, votre Doliprane de la presse, la Vénus de la République démocratique du Congo et pourquoi pas la Oprah d'Afrique. Je dis bonjour aussi à Ekouke. Ekouke, il y a Polydor. Polydor, Ekouke, Pierrefitte, Maman Christine, Debaba Debso, la Sarcelle. Riva de lo people, de lo popo, de l'ipopo. Comment? Riva de lo, de l'ipopo. Donc, merci à trop au grand Riva de lo people, puisque ce que je m'en adore, comme on va voir, voir, sapologie en bois. Par contre, j'avais pas amené, j'ai pas mis, amenez-moi, comme il va balancer les trucs là, je vais mettre la chapeau, le chapeau de tout ton cabot. D'accord. Voilà. Donc, on va demander à la régie de nous ramener des chapeaux. Voilà, mais en attendant que monsieur, il nous balance un truc pour que... Alors, vraiment, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été une émission assez pertinente, mais assez ouverte, une vérité qui n'est pas là en accusation, mais c'était juste pour compter une ancienne... histoire avec Riva de lo people et de tout en camon le petit Makambo. Regardez-le. Comme vous avez constaté, toi, vous-même, Chaco. De tout en camon, n'est-ce pas? Oui, en personne. Ouais, et ça, la ceinture. Voilà, ça, c'est le parure qui sont venus de l'Égypte. D'accord. J'étais parti avec ma femme à la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons que c'est Nefertiti. Et aujourd'hui, maman Nefertiti m'appelle la Cléopâtre. Voilà, elle a surnommé la Cléopâtre. Voilà. Donc, comme la chanson t'as écouté tout à l'heure, mes chers amis, le Toutankhamon en personne, parce qu'on dit le Toutankhamon, c'est pas que c'est une blague. J'ai tous les vêtements et tous les parures que j'ai amenés de l'Égypte, Makambosar le petit, le Toutankhamon. Il vous confirme que c'est vraiment un vrai pharaon, comme t'as réglé de la pharaon de la musique africaine. D'accord. Ah, ok, précisez voilà. Que c'est de la musique africaine. Alors, le problème que tu as aimé une chanson là. Oui, alors je voulais que vous nous le chantiez habillé comme ça. Vous nous chantez habillé comme ça, en tout en commun. Mais je vois que vous chantez aussi énormément la femme. Voilà, aussi, c'est pas l'Itoï, c'est Azoyoka bien. Est-ce que vous pouvez nous chanter? Mais c'est normal, mais c'est la femme, c'est la femme Azoyoka bien, il faut Azoyoka bien. Il faut qu'il sente le lingui, comme on dit en français, il faut Azoyoka goût. Il faut que l'engue, il faut que c'est. Ah, que l'engue, qu'elle sente le plaisir dans le toucher ou dans. Non, expliquez-nous. Mais il faut que l'engue. Quand vous faites l'amour à une femme, il faut qu'elle ait le plaisir. D'accord. Comme la chanteuse. Azo kotangaye, nazoka bien. Akoli yanga mamae, nakoyo ke l'engue. Azo kotangaye, nazoka bien. Akoli yanga mamae, nakoyo ke l'engue. La fougue les magasins, on attend des biloko, à son bandenga lingie, moi mon baliangogo, louquette loupette, louquette loumboa, louquette louchien, moi fougue les magasins, on attend des biloko, nazo kangouma, nazo kabien, nazo katangaye, nazo kabien, pas quoi lianga mamae, Naïti nobilengi, mazoko tongaye, nazoka bien, bakoli yanga mamae, nako kelengi, nafungoli magasin, natandi biloko, asomba nenga lingiye, mwan mobali angwe dino, o loketu pete, luketu luchen, esi luketu lumpukwe, azoko tongaye, nazoka bien, akoli yanga tout ton kamon, Nako ke lengi, azoko tongaye, nazoka bien, akoli anga mamae, nako ke lengi, luketu lumboa, aye, kitsubiri kiambote, aye, kikotiri miambote, nazoka bien. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'est quoi le dernier mot, bakombo lingo pesa batu, pour la moni o lingi emisyon estilate. Ben, monsieur, c'est aussi là. On lit tellement, bah, tout le monde, mingi, net, il faut qu'il y ait des gars. Et monsieur, c'est aussi là, mais bon, il y a, bah oui,
Et qui est trop Mado Chako Bilengi, Mado Chako Dino Image, Dino Bilengi, Tarakaka, les amondes, mon copon, vraiment, Nakata Panam. Ataraba, vous avez un nombre one, vous avez un nombre one, ça veut dire que vous avez un studio à qualité, pour que vous soyez professionnel, studio à qualité, macabre qualité. Tout ça là, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu directement que nous avons la qualité, on dirait que nous avons vu que nous avons en avion. Nous avons vu que 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 nous monde entier que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que et puis elle est un télo, elle parle bien, ça nous donne du courage de venir faire des émissions comme ça avec Mado Chako, puisqu'on n'en a pas beaucoup qui parlent, la plupart des émissions parlent à Lingala. Merci beaucoup. Voilà, mais vous êtes très éloquente et vous parlez bien français et je suis fier de vous. Merci beaucoup. De continuer toujours comme ça. Merci. Et voilà. Et pour moi, tout en camo, j'arrête là. Terminer, je voudrais que vous regardiez vraiment vivement. Je salue mes enfants, mes 6 filles et mes 3 garçons. Gros bisous, d'accord. Gros bisous, gros bisous. Regardez vivement là, l'écran et souhaitez-moi bon anniversaire, s'il vous plaît. Maître John Paul. Non, Maître Jean-Paul Munganga. Ah, Maître Jean-Paul Munganga. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Maître Jean-Paul Munganga. Munganga, long durée Munganga, de vie. Munganga, Munganga. Jean-Paul Munganga. Munganga. Bon anniversaire. Voilà. Et puis, moi, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup de gens. J'ai dit gros bisous à mes mélomanes dans le monde entier. Voilà. Et est-ce que vous entendez que Petit Makambo a changé le nom et devient le Touton Kambo Makambo Star en personne. Et puis, on a voulu faire cette émission en français pour que. Puisque beaucoup de gens qui écoutent la presse congolaise, na lobby, na ebonaboy, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. D'accord. Mais avec Mado Chako et Dino et l'image bilingue, ça veut dire qu'on a fait toutes les missions. Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami, Yemutazari na Katia Makambo, Yako Baloba, Babilo Kona, Yalolo Chouami, Yalolo Chouami, A Chouami si Makambo. A Chouami si Babo. A Chouami si, Tiago Choua, Tiago Tatika, Yalolo Chouami, donc A Chouami si Tia Tatiki. Et puis. Dans un projet, il y a le choix de télévision, dans un projet, il y a un film, Amazon, il y a un film, et je pense que vous aurez un rôle dedans. Dans un texte, il y a, par exemple, Histoire Nanga. Histoire Nanga, c'est un film au Biba. Il y a un bandage qui est bien, un Zadis, un Matongi, un Ndenge, donc dans un Zadis, un Komakutu, Histoire Wana, où il y a un après, il y a un repos, il y a une histoire, il y a une histoire, il y a Mindele. Mindele, il y a un Komango. Puisque n'a parlé déjà histoire nangara mon obeta mon déjà donc voilà quoi ce que vous ont c'est mon film boto sur ce que vous aura un peu plus ma comme quoi la vie est belle ce que ça va niveau niveau la vie est belle quand il y a le choix mi télévision travaille c'est toujours du top c'est toujours du waouh. Alors nous sommes vraiment arrivés à la fin, c'est l'amour que nous avons pour vous qui fait que nous n'arrivons pas et nous, à terminer. Et surtout le petit Makambo, quand il commence, il ne sait pas terminer. Donc, voilà, merci d'avoir suivi votre Mado Chako toujours et toujours. Encore bon anniversaire, Maître Jean-Paul Munganga. Bon anniversaire à tous les gros bisous. Personnes qui fêtent leur anniversaire. Gros bisous à Nefertiti. Condoléances à ceux qui pleurent. Et gros bisous à Nefertiti. Wayambo, première Migi, dame. I love you. I love you, Megi. Elle voilà, chante. Très bientôt, le film. Le film El Chanto. Voilà, le film, il y a un film qui est en train de sortir